Le prochain jeu, il s'agit de The New Zealand Story. Encore un jeu de Taito Corporation. Ah oui, c'est ce jeu-là. Donc, ce jeu-là, il y a une autre version sur la Nintendo, si mes souvenirs sont bons. Je sais plus s'il y a une version Sega Genesis. Et, voyons, Sega Genesis et Super Nintendo. Mais je sais une chose, c'est que cette version-là, Sega Master System, est probablement meilleure que la version de Nintendo. Je me souviens plus si c'est exactement la même version. Mais, une chose est sûre, c'est que si c'est la même version, c'est meilleur sur Master System. Parce que la console est meilleure. Littéralement, elle peut faire plus de couleurs, donc est meilleure. Mais c'est ça, ça continue dans la lignée des jeux Taito. Ils ont peut-être l'air cute, mais ça offre du bon gameplay puis du fun pour tout le monde. Donc oui, ça a l'air cute, mais c'est pas fif pour autant. Oh, une bombe. Qu'est-ce que je peux faire? Oh yeah! C'est cute ça, hein? Un oiseau qui fait exploser des animaux. Wow! Une espèce de fou qui est sorti de nulle part. Donc ça semble être un jeu assez difficile. Je suis déjà avec juste une vie. Oh, je peux même voler le truc de ce gars-là. Ouais, ça m'a l'air d'un bon jeu. Excellent jeu. Je sais qu'il était dans le top 100 Nintendo du site Sidlexia. Un de mes sites préférés de gaming. Fait que oui, ce jeu-là, je le placerais même peut-être plus bas. C'est la première fois que je joue, mais... On voit que Taito niaisait pas avec la POC encore une fois. Hurry up, ok, il semble avoir du temps aussi. Fait que c'est ça, on va continuer un petit peu. Taito vraiment là. Ils ont fait des très bonnes contributions au gaming. Ils faisaient pas juste des jeux gamins non plus. Lufia 2, là, si vous trouvez que c'est gamin, vous êtes complètement à côté de la plaque parce que c'est vraiment pas gamin. Ah shit, c'était un pic, ça. Griffe Lufia 2, le personnage principal, enfin, il se passe des choses affreuses. Par ça, j'entends dire le personnage principal à la fin de Lufia 2, il meurt. Eh oui. J'allais jamais finir mon let's play, fait que je vais vous spoiler tout ça. Il se sacrifie avec sa femme pour sauver tout le monde. Puis pas un de ces trucs de marde là, il revient après les crédits. Non, il est mort pour de bon. Game over, il est mort. He's dead. Au moins le décor a survécu. C'est ce qui était cool, le décor. Hey, j'avais pas remarqué qu'il y avait un chat au fond de ça. Bon, fait que c'est tout là pour ce gameplay-là. On dirait que je peux marcher sur les ennemis, mais leurs attaques me tuent. Est-ce que je peux vraiment marcher sur les ennemis? Ouais. Bon, mais c'est tout. New Zealand, si vous avez envie d'un bon platformer, essayez-les. Taito là, a fait ses preuves, puis très bien fait ses preuves.